Well, hi everybody. Today we're gonna be talking a little bit about the verb to be. Okay? Je dis à nous qu'on fait un petit parlo de verbe to be. Parce que tout le monde cap suivre nous et pas oublier réviser les sons avant yo. Et puis dans les sons ça yo qu'a fait là pour nous capable normalement gain bon bête dans main. Et pas oublier que nous connaissons le verbe to be, c'est un verbe auxiliaire qui est lié, lié de l'autre verbe, le ou pas capable. Ça fait nous avons le verbe to be, to do, to have. Nous pouvons parler avec, nous pouvons parler de eux, et puis nous pouvons parler des verbes auxiliaires, can, et verbe défectif. Nous avons can, nous avons must, puis nous avons l'autre toujours. Ok? Nous avons may. Bon, je dis à nous pouvons parler tout simplement présent, passé, et puis futur verbe to be. Ok? Et je pense qu'après les leçons, tout le monde va être capable de faire des phrases. Je vais aider nous faire des phrases. Je vais faire une vidéo pour aider nous faire des phrases ensemble avec les mots que nous allons faire. Et puis pour nous capables de commencer à parler la même gens avec un natif. Nous avons le verbe to be au présent. To be verb. Le verbe to be au présent. Nous avons simple present. Nous avons I am. You are. I am. You are, it, she is, we are, you are, they are. Ok? Et nous gagnons past tense. I was, you were, it, she is, was, we were, you were, they were. Ok, guys. Nous gagnons future tense. Autant futur. C'est I will be. You will be, it, she, he will be, we will be, you will be, they will be. Pas gen rien, pas aucun problème dans ça. Tout simplement, c'est mettre tête au là. Au futur, c'est will, plus verbe là. I will be, you will be, she will be, we will be, you will be, they will be. Okay?